de l'Ontario, Mme Nicole Fortier. Native d'Orléans, attention à ne pas confondre avec l'île d'Orléans, mais bien Orléans, qui fait partie maintenant de l'agglomération de la communauté urbaine d'Ottawa. Donc, native d'Orléans, Nicole Fortier est détentrice de deux maîtrises, une en éducation et une autre en administration publique. Jusqu'en 1991, elle travaille à la formation linguistique des fonctionnaires fédéraux. De 1992 à 2006, elle occupe diverses fonctions à la direction des langues officielles au secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, notamment celle de directrice. Reconnue pour son énergie, son enthousiasme et son appui à la vitalité des communautés francophones en situation minoritaire, elle y coordonne des projets nationaux visant à assurer l'application de la loi sur les langues officielles. Au cours des années 2000, elle mène plusieurs consultations en vertu de la loi sur le patrimoine de l'Ontario et aussi de la loi sur les services en français. En plus de l'organisation de forums interprovinciaux pour la promotion de la gouvernance municipale en français, elle produit pour l'Association française des municipalités de l'Ontario un guide en appui à la planification culturelle municipale et à la promotion de la culture francophone. Sur un plan plus local, Nicole Fortier cofonde en 1979 le Mouvement d'implication francophone d'Orléans. Également présidente fondatrice de la Société franco-ontarienne du patrimoine et de l'histoire d'Orléans, elle y organise depuis 2011 divers projets contribuant à la préservation du patrimoine culturel et bâti. Lors des festivités de 2013-2014 soulignant les 400 ans de la présence française en Ontario, elle est à la tête de deux comités coordonnant plus de 50 événements pour la région de la capitale canadienne. En 2013, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario lui remet le prix du pilier de la francophonie en Ontario. En 2014, elle reçoit les insignes de l'Ordre de la Pléiade par l'Assemblée parlementaire de la francophonie, section Ontario. Nicole Fortier préside actuellement un comité qui planifie l'organisation de spectacles portant sur la participation des francophones au développement du Canada, et ce, à l'occasion du 150e anniversaire de la Confédération. C'est notamment pour ses qualités de visionnaire et pour sa contribution au rayonnement des francophones de l'Ontario que le Conseil supérieur de la langue française lui décerne l'Ordre des francophones d'Amérique. Madame Nicole Fortier. Monsieur le ministre, Monsieur le président du Conseil du Trésor, voyez-vous mon ancienne vie, du président du Conseil supérieur de la langue française, Madame la conseillère municipale et membre du comité exécutif de la Ville de Québec, Mesdames et Messieurs, chers collègues récipiendaires. C'est un grand honneur de recevoir l'Ordre des francophones d'Amérique. Je remercie le Conseil supérieur de la langue française et les membres du jury de m'avoir sélectionné pour cette grande distinction. J'aimerais en profiter pour souligner que cette reconnaissance, décernée par le Conseil, contribue à appuyer les efforts qui se font partout au Canada et dans les Amériques pour la conservation et la promotion de la langue française. Alors, bravo et merci. Je suis également fort heureuse que mon mari Mike, mon fils Luc, ma belle-fille Karine et ma petite-fille Élise, que vous avez entendue, que voulez-vous, il faut les habituer jeunes si on veut une relève en Ontario. Alors, merci de m'accompagner aujourd'hui. Le vice-président de la Société franco-ontarienne du patrimoine et de l'histoire d'Orléans, la SFOFO, Louis V. Patry et son épouse Nicole sont également ici, de même que Jacinthe et Yves de Québec. J'aimerais remercier aussi Tréva Cousineau, fière franco-ontarienne, qui a soumis ma candidature, ainsi que les collègues qui m'ont appuyée. J'ai une pensée particulière pour ma famille, notamment ma sœur Suzanne, qui m'appuie depuis toujours. Je suis de la 11e génération des Fortier établis au Canada. C'est vers 1663 qu'Antoine Fortier et son père Noël arrivèrent ici même à Québec. Après un séjour à Beauport, ils s'installèrent à l'île d'Orléans. En fait, 5 générations de Fortier auraient demeuré à l'île d'Orléans. Vous comprendrez qu'étant née à Orléans, en Ontario, et en étant toujours très active, j'ai un attachement personnel pour Orléans. Avec l'accent.
Je reçois donc cette importante reconnaissance au nom de ma famille, de tous mes collègues francophones et francophiles ontariens, mais également en passant à mes ancêtres qui sont arrivés ici il y a plus de 350 ans. J'œuvre à la promotion de la francophonie depuis plus de 35 ans, d'abord dans mon petit village d'Orléans, devenu une ville, puis en Ontario et au Canada. Lorsque je travaillais au secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, j'ai rencontré à peu près toutes les communautés francophones à l'extérieur du Québec. Et je puis vous dire que la passion des francophones partout où je suis passée nous rapproche tous et toutes de façon surprenante. Actuellement, je préside l'ASFOFO, un organisme voué à la promotion du patrimoine francophone et à la vitalité du fait français dans notre communauté. En milieu minoritaire, il faut rester vigilant, comme vous l'avez dit, Monsieur le ministre, il faut rester vigilant tout le temps, c'est-à-dire être à l'affût de toute nouvelle initiative, législation ou politique, municipale, provinciale ou fédérale, dans le but d'assurer notre développement culturel, social et économique. De beaux projets attendent l'ASFOFO dans les prochaines années. En plus de nos nombreux dossiers de fonds liés au patrimoine, nous souhaitons contribuer à différents réseaux, comme vous avez mentionné, Monsieur Boutin, contribuer au développement du réseau des villes francophones et francophiles d'Amérique, au développement de la route touristique Champlain en Ontario et à la mise en place des grands projets de la Commission de la capitale du Canada. Nous voulons profiter de toutes les occasions pouvant contribuer au maintien et au rayonnement de notre langue. Du côté du gouvernement d'Ontario, nous sommes heureux de savoir que le partenariat Québec-Ontario renouvelé en 2014 réaffirme un engagement commun à protéger et à faire la promotion de la culture et du patrimoine francophone. Nous sommes également fiers de savoir que le gouvernement de l'Ontario a demandé son adhésion à l'Organisation internationale de la francophonie. L'Ontario a un rôle à jouer au sein de la francophonie et nous sommes prêts à y contribuer. En terminant, laissez-moi vous parler brièvement du spectacle à grand déploiement intitulé « Ton histoire est une épopée » que nous planifions présenter en vue de commémorer de façon grandiose et significative le 150e anniversaire de la Confédération du Canada en 2017. Le spectacle, présenté en collaboration avec l'Écoute d'un peuple et d'autres partenaires, portera sur l'histoire de notre pays, l'avènement de la Confédération et la contribution de tous les francophones du Canada. Je deviens membre de l'Ordre des francophones d'Amérique avec beaucoup d'émotion et en pensant à toutes ces personnes et ces organismes qui travaillent sans relâche à la promotion de notre francophonie. Merci à tous et à toutes.